الله أكبر 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 الله أكبر. Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Comme vous le savez, nous sommes actuellement dans le mois de Zulhijja, le mois du Hajj, c'est-à-dire du pèlerinage à la Mecque. Bien que la meilleure des œuvres, après la foi en Allah et en son messager, c'est la prière, Dieu a accordé au pèlerinage une spécificité que ne possède ni la prière ni la zakat, à savoir le fait que les grands et les petits péchés soient pardonnés. En effet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man hajja falam yalfouth wa lam yasouk kharaja min zunubihi ke yawma wa laddadhu ummu » Ce qui a pour sens, celui qui accomplit le pèlerinage sans commettre de grands péchés ni de rapports sexuels sortira de ses péchés pour être comme au jour où sa mère l'a mis au monde. Le pèlerinage à la Mecque, c'est-à-dire le Hajj, est un acte éminent qui compte parmi les cinq principaux devoirs de la religion de l'islam. Selon l'unanimité des savants, il est obligatoire de l'accomplir pour celui qui en a la capacité. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le livre du Coran honoré وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ. Ce qui a pour sens, Allah ordonne aux gens qui en ont la capacité d'accomplir le pèlerinage à la maison sacrée. L'honorable savant Abdullah Al-Haddad Al-Hadrami, surnommé Al-Faqih Al-Muqaddam, a dit « Celui qui se charge d'accomplir le pèlerinage par désir de voir la maison sacrée de Allah et par souci d'accomplir l'obligation, sa foi est d'autant plus complète et sa récompense d'autant plus grande, à condition qu'il ne délaisse pas à cause de cela une quelconque obligation, sinon il serait dans le péché, comme celui qui construit un palais en détruisant pour cela toute une ville. » Donc, celui qui n'a pas suffisamment de moyens pour accomplir le pèlerinage et subvenir en même temps à la charge obligatoire de sa famille, notamment son épouse et ses jeunes enfants, n'a pas le droit d'y aller s'il sait qu'il les expose par cela à la nuisance. Je demande à Allah qu'il nous accorde d'accomplir le pèlerinage et qu'il nous accorde de voir la maison sacrée, la Kaaba honorée, ainsi que de visiter à Médine la tombe de notre bien-aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Soyez de ceux qui apprennent le bien en regardant chaque vendredi nos nouveaux rappels vidéo. Barakallahu fikum, assalamu alaikum.